안녕하세요 여러분, 린쨈입니다. 오랜만이죠? 네, 잘가요. 안녕! 유튜브 보시다가 또 꾸준히 영상 열리려고 들어왔습니다. 기다리고 계셨던 모든 구독자분들에게 너무 감사드리고 계속 봐주셔서 정말 진심으로 감사드립니다. 자, 프랑스를 어 열심히 배우자구요! 얼마 전에 덴마크 갔다 왔는데 저희가 묵었던 숙소에 대해서 천천히 프랑스로 어 설명해드리려고 해요. 협찬 받은 거 아니구요. 네 J'espère que vous apprécierez. On est allé dans une auberge de jeunesse super originale. On dort dans des tentes, mais à l'intérieur. Il y a quatre lits avec des matelas bien épais et très confortables. Il y a aussi des casiers pour y mettre ses affaires. Et ceux qui ont des cadenas peuvent les verrouiller. Chacun a une lumière et une prise au-dessus de son lit. Heureusement que les bouquets sont gratuites. C'est vraiment un indispensable dans ce genre d'endroit. Il n'y avait qu'un seul cintre dans notre tente, pas de miroir et pas de serviettes. En fait, il faut demander les serviettes à l'accueil et la première seulement est gratuite. Le plus grand inconvénient, c'est surtout qu'on ne peut pas verrouiller l'accès à notre chambre, vu que c'est une tente. Donc j'avais toujours peur que quelqu'un rentre par erreur. Mais ce n'est pas arrivé. Le meilleur coin, c'est l'espace commun qui est très grand et joliment décoré, bien qu'un peu sombre. Sans parler de la déco des toilettes. On peut rester des heures dans cet espace. Il y a des informations sur les choses à faire dans la ville, des livres, différents jeux pour s'amuser à plusieurs, suffisamment de place pour travailler tranquille, et l'eau est en libre service. J'ai vu qu'on peut y louer des vélos, mais c'est un peu cher. On peut y faire une machine aussi, mais nous, ça ne nous dérange pas de laver à la main. Et surtout, le meilleur pour la fin, il y a un Happy Hour tous les jours.

Heureusement que les boules c a e s sont gratuites. Heureusement, plus i n d i c a t i f 다행이라고 느낄 때 설명하기 위한 표현이에요. 몇 가지 예를 보시죠? 하는 김에 날씨와 관련된 말들도 어, 몇개더 써볼게요. Heureusement qu'il fait beau. 날씨가 좋아서 다행이네. Heureusement qu'il fait beau. Heureusement qu'on a du beau temps. Heureusement qu'on a du soleil. Heureusement qu'il fait beau. Heureusement d'après la journée, aucun petit arnaud d'air. Aiguillon, puisqu'on est, ou s'ennuie, ça c'est très bien. Français, oh là là, il pleut. Heureusement, j'ai un parapluie. Mince, il pleut. Heureusement que j'ai un parapluie. Tout le d'air. Parce que il est chiant Heureusement, j'ai un parapluie. Parigi, ou s'ennuie, Heureusement que j'ai un parapluie. 우산이 있어서 다행이에요. 대답할 때도 많이 쓰는 단어예요. Tu as un parapluie? Heureusement. Tu as un parapluie? Heureusement que oui. 우산이 n 어요 네, 다행이 있네요. 반대로, malheureusement que는 쓸수 있을까요? 예를 들면, malheureusement qu'il fait moche. 안타깝게도 날씨가 안 좋아요. Malheureusement qu'il fait moche. 아뇨못 씁니다. 안타깝다고 말을 할때 글을 빼야 돼요. Malheureusement만 씁니다. Malheureusement, il fait moche. 안타깝게도 날씨가 별로예요. Malheureusement, il fait moche. 비슷한 말로, 음, Malheureusement, il ne fait pas très beau. Il fait gris, malheureusement. 우산 있어 안타깝지만 없어요. Tu as un parapluie? Non, malheureusement. Malheureusement, non, je n'ai pas de parapluie. 여기서 원어민으로서 알려드릴 수 있는 점이 하나 있는데요. 제가 봤을 땐 일상생활에서 malheureusement 보다 dommage 조금 더 쓰는 것 같아요. 그래서 알고 계셔야 되는 것은 malheureusement, 안타깝다는 뜻이고 dommage는 어, 아쉽다는 뜻이에요. 한국어랑 뉘앙스가 똑같을 거예요. 지금 이 상황에서 둘다 써도 괜찮은데 더 심각한 상황이면 말로그스너 쓰고 어, 기회 같은 거 넣칠 때는 도마주 쓰는 거죠. 아까 본 예처럼 문장을 만들려면 주나 빠빠 하프리 아 도마주 우산이 없어 아유 아쉽네 주나 빠빠 하프리 마스 도마주 아쉽다 나가서 자전거를 타고 싶었는데 비가 너무 와서 못 타겠네. Je voulais sortir faire du vélo. Mais il pleut trop. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Dommage, il pleut. Dommage, il fait pas beau. Dommage, il fait pas beau. C'est dommage, il fait gris. C'est dommage qu'il fasse gris. 본, heureusement dommage peut que ». le dommage plus subjunctive입니다. 네, indicative 말고요. 복잡하죠? 여기에 정리해 놨어요. 세 가지 변다그 없이 쓸수 있으니까 큰 부담을 안 가셔도 되는데, 제 생각에는 여기서 heureusement que 하고 dommage. 이두 표현이 제일 배울 만한 것 같아요, 일단은. 마지막으로 한번더 보시죠. heureusement qu'il ne pleut pas. Malheureusement, il ne pleut pas. Malheureusement, il pleut. Dommage qu'il pleuve. Dommage, il pleut. Ça, 단점. 프랑스어로 뭔지 기억하시나요? 아까 단어집에 있었는데, inconvénient 맞죠? Un inconvénient. 반대로, un avantage. Inconvénient avantages il y a des avantages et des inconvénients l'avantage à loger dans une auberge c'est le prix parce que c'est pas trop cher parce que c'est pas trop cher l'avantage à loger dans une auberge c'est le prix parce que c'est pas trop cher l'avantage de l'auberge c'est le prix l'avantage de l'auberge c'est le prix 호스텔의 장점은 가격이에요. 단점은 소음이겠죠? 음. l i n c o 셀 v 브 n i e n t c'est le bruit. vu qu'il y a du monde, c'est bruyant. 사람 많다 보니까 시끄럽다. q u 리아듀 il y a du monde, c'est bruyant. 사람 많으니까 시끄럽다. 생각해보니까 사람이 많은 게 문제가 아니라 매너 없는 사람이 문제지. 99명 저렴이 있더라도 한는만 새벽에 아주 큰 목소리로 영상통화하고 있으면 다 같이 고생이죠. <laughs> 결정을 내리기 위해서 장단점 따져보는 게 좋다고 하잖아요. Il faut voir les avantages et les inconvénients. Il faut réfléchir aux avantages et aux inconvénients avant de prendre une décision. 결정리기 전에 장단점 봐야 된다. 장단점에 어, 대해서 깊이 생각해봐야 된다. Il faut peser le pour et le contre. Il faut peser le pour et le contre. Par exemple, j'aimerais bien aller vivre à Copenhague, mais je dois d'abord peser le pour et le contre. Je dois voir les raisons d'aller à Copenhague et les raisons de ne pas y aller. Copenhagen, 가서 plus 그리고 je dois voir les raisons d'aller vivre à copenhague et les raisons de ne pas y aller je dois voir les avantages et les inconvénients entre vivre à paris et vivre à copenhague je dois voir les avantages et les inconvénients entre vivre à paris et vivre à à Copenhague, il y a des avantages et des inconvénients à rester vivre à Paris. 우리는 손빨래 괜찮다. Ça ne nous dérange pas de laver nos vêtements à la main. 여기서 동사가 대원제인데 원래 반계한다는 말이에요. Ne me dérange pas. Il ne faut pas me déranger, je fais mes devoirs. 언니가 숙제한다. 방해하면 안 il ne faut pas me déranger, je fais mes devoirs. En maga magnetal bogo 이런 Ne la dérange pas, elle fait ses devoirs. En y gras que 하고 Ne la dérange pas, laisse-la. Elle fait ses devoirs. Que ligo 전화할 때 지금 통화해도 괜찮아? 방해한 거 아니지? 라고 하려면 Ça va? Je te dérange pas? 라고 하실 수 있어요. 정말 자연스럽거든요. Ça va? Je te dérange pas? Sinon, je rappelle plus tard. Hein? 아니면, 나중에 다시 전화할게. Sinon, je rappelle plus tard. 그런데, 이미 경험해보셨는지 모르겠는데, 한번 프랑스 친구가 저희 남편한테 전화해서, 방금 알려드린 것처럼, je te d é r a n g pas? 방해한 거 아니야? 물어봤어요. 저 친구가 당황했을 텐데, 어, 신랑이 프랑스어로, oui? 대답한 거예요. 방해한 거 아니야? 응, 아니야? 한국어를 생각하면서, 응, 대답한 건데, 네, 방향 거 맞아요.로 오해할 수 있어요. 가능한 대답이 두개 있어요. 친구가, je te dérange pas? 물어봤는데, 방향 거 맞아요. 그러면 사실, 위가 틀리고, si? Sí? 라고 대답해야 되거든요. je te dérange pas? si. Sí. je te dérange? oui. je te dérange pas? si. Sí. 방향 한게 아니고, 통화해도 괜찮은 거면, je te dérange? 하든, je te dérange pas? 하든, non. 라고 대답해야 합니다. 지금 이 상황에서 헷갈리는 사람도 있고 안 헷갈리는 사람도 있는데 다른 영상에서 프랑스어 질문에 oui, si, non, 그리고 pas로 언제 대답하는지 자세히 설명해 볼게요. 지금 통화해도 괜찮아? 아니면 나중에 다시 전화할게. 음, 괜찮아. 편하게 말해. Ça va? je te dérange pas?

그래. Ça me dérange de laver à la main. Si je peux éviter, je préfère. On peut passer à la pharmacie avant d'aller à la banque. Ça ne te dérange pas si on passe à la pharmacie avant d'aller à la banque. Ça ne te dérange pas si on passe à la pharmacie, si on va à la pharmacie d'abord Ça ne me dérange pas de dormir à l'auberge. C'est vrai que le bruit est dérangeant. D'ailleurs, cette nuit, quelqu'un m'a dérangé en parlant fort au téléphone. Et moi, les boules caisses me dérangent. Donc, le bruit m'a dérangé dans mon sommeil. Je nous vois bien loger à nouveau là-bas. Bien se voir faire quelque chose. 뭔가를 상상하는 상황에서 잘 쓰는 표현이에요. 여기서 je nous vois bien loger à nouveau là-bas 할때 무슨 의미냐면 거기서 다시 묵어도 괜찮다고 봐. 거기에 한동안 있을 우리의 모습을 잘 상상하게 돼. 그 모습을 내 머릿속에 그려볼 수 있어. Je nous vois bien loger encore là-bas. Je nous vois bien repartir là-bas. bientôt가 있잖아요. 말 반대로 말도 쓸수 있을까요? 네. 잘 상상하게 된다고 할때 그냥 쓰고 어, 상상이 잘안 된다고 할 때는 말 쓰시면 됩니다. 조금 더 쉬운 일을 보시죠? 저에 대해서 먼저 얘기해 볼게요. 나는 사진 좋아해. 그런데 사진 작가로서 일하는 건 음, 상상이 잘안 돼. 할 생각이 없어. moi, j'aime la photo. Mais je me vois mal travailler en tant que photographe. Je me vois pas travailler dans la photographie. Je me vois pas du tout devenir photographe professionnel. 이제는 다른 사람에 대해서 말해볼게요. Je te vois bien travailler dans la photographie. 네가 사진 쪽에서 일하는 모습을 쉽게 상상하게 돼. Je te vois bien travailler dans la photographie. Je te vois bien devenir photographe. yo je le vois bien devenir photographe. Et je la vois bien travailler dans ce domaine. je les vois bien travailler dans la photo. Est-ce que tu me vois travailler dans la photo?

Et vous, vous voyez où dans dix ans Vous voyez où dans dix ans Je nous vois bien vivre à la campagne. Je nous vois mal vivre en ville. On ne se voit pas avec des enfants dans un appartement. On se voit mal vivre en appartement avec des enfants. 1부, 디 여러분은 어떠신가요? 10년 후에 어떻게 살고 있을 것 같나요?